Évidemment, face à Neymar, ils n'ont pas perdu leur bon réflexe, les supporters. Voilà. Oui, parce que ce stade n'est pas trop fermé, donc le vent peut avoir une influence. Sur toutes les trajectoires aériennes du ballon, évidemment, notamment. Oui, bien sûr. Deuxième faute, Moustapha Diallo. Il est intervenu en retardement sur Neymar et déjà. Superbe action des Parisiens. Il faut maintenant résister sur ce premier corner. Mbappé, deuxième poteau. Corner tendu. La volée. Mbappé a récupéré. Ballon. Il a fait un bon appel. Mbappé pour la frappe, elle est contrée. Ah, c'est bien défendu. Première grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Premier corner. Très bon ballon de Neymar. Neymar est en général beaucoup plus haut. Déjà rien qu'avec son geste, de venir toucher le ballon qui ne lui appartient plus. Mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà le pas beaucoup. Voilà, là c'est fait à l'intérieur du jeu. Neymar progresse avec un relais sur Cavani. Neymar encore vient d'éliminer deux adversaires par son dribble. Pour bénéficier de cette bonne remise de l'ancien Gangampé. Guillaume, et je disais le retour espéré de Marco Verratti dans un système. Neymar dans les bons coups, plutôt dans la surface. Je sens que Marquinhos, il n'est pas à l'aise dans ce rôle, et c'est un rôle super important pour faire jouer le centre de Thomas Meunier. C'est Neymar qui permet au Paris Saint-Germain de se sortir de ce guépier-là. Ça fait 1-0 pour le PSG. Dis-moi. Et c'est sur un très beau 1-2 sur le côté droit entre Thomas Meunier et Mbappé. Voilà, trop d'espace laissé
aux Parisiens pour une fois qui joue tranquillement. Di Maria devait être hors jeu, mais Neymar non, qui vient de derrière se projeter et conclure en taclant. Très bonne action collective et un Neymar plus que jamais buteur qui a marqué dans tous les matchs de championnat cette saison. C'est son quatrième but à Neymar déjà en ce début de saison. Là il trompe Paul Bernardoni. Et surtout il met un rayonnant. Ah, il a un état d'esprit incroyable, Didi Buffon. C'est un à deux, mais les Parisiens très vigilants ont pu défendre et peuvent se ressortir avec Neymar. Ah, ça Neymar va vite. Toujours, ouais. Ah, il aurait pu donner avant à Meunier. Là. Et là aussi. C'est sorti alors. Hein. Ah, bien joué Neymar au milieu de terrain là, qui grâce à ce dribble là. Voilà. Les beaux gestes parisiens, à la couche. Voilà. Les beaux gestes parisiens. Ils sont quand même moins pressés désormais par les Nîmois. Grosse faute de Neymar. Oui. Il va prendre un carton. Il ne s'est pas arrêté le Brésilien. Et surtout à faire un bloc serré, mais. C'est déjà ça, hein. Oui, c'est déjà ça. Il faut voir le verre à moitié plein. Toujours. Après, réclamer que ça marche tout le temps. Thiago Silva. Neymar. Marquinhos. Neymar qui peut lancer Meunier. Un bon ballon pour Meunier. Le centre. Van qui tapait partout. Bien sûr, le jeu se poursuit. Là, deux Nîmois à terre. Les Parisiens qui poursuivent avec Neymar qui a voulu lancer Di Marquinhos sur Neymar. Un boulevard maintenant pour contre-attaquer côté parisien. 4-4. Neymar. C'est bien défendu. Ouais, mais il peut être très utile, Daniel, hein, quand même, parce que oui, mais il a une qualité technique qui peut servir quand même, ouais, ce milieu parisien. Hein. Dans ce milieu à deux, là. Je comprends votre. Neymar. Avec Thiago Silva. Traditionnel, entrée de Christopher Kunku. Il va remplacer Neymar. Sur son but. Parce qu'il s'était mis au pied d'une banderole